Fibromyalgie, c'est un trouble chronique qui affecte millions de personnes dans le monde. Et dans le cas, c'est fille. Trouble ça caractérisé par un sommeil qui n'est pas réparé, douleur à corps qui a duré pendant toute journée. Douleur dans quatre cadrans corps, avec présence point sensible dans zone spécifique corps. Bien que douleur fibromyalgique a varié de intensité, mais les gens qui souffrent de trouble ça, souvent décrivent tant qu'une douleur persistante. Ça veut dire une douleur qui pas jamais aller, profonde et qui toujours a placé moun nan. L'autre symptôme qui fréquent nous kajouen, c'est fatigue ou corps crasé. Moun nan pas ka dormi, douleur nan articulation, crampe nan pied, tête fait mal, difficulté pour moun nan concentrer ak problème mémoire. Le fait que pas existé yon examen nan laboratoire ou yon radiographie pour confirmer diagnostic fibromyalgie. Dans quelques situations, il faut faire passer un croire que douleur a c'est la tête liée. Ça veut dire une douleur psychogène. Mais pour le moment, plusieurs chercheurs et scientifiques pensent que le cerveau a, avec moelle épinière, traité informations qui transmettent douleur de façon incorrecte. Et ça vient d'un patient qui souffre de syndrome ça, sentir douleur avec plus intensité. Il y a un unique aspect qui caractérise la fibromyalgie. C'est présence point sensible dans zone spécifique dans corps. Et l'œil pressionné point ça yo, patient qui gain tout ça senti douleur. Tandis que moun qui pa gain syndrome ça, seulement senti yon pression. Pour yon patient diagnostiqué à fibromyalgie, pour pi piti, li doit sensible à 11 na 18 point sensible yo et li doit gain douleur dans tous les 4 cadrans dans corps. Et enfin, pour soigner syndrome ça, prise en charge yo doit individualiser pour chaque patient et yo doit impliquer plusieurs disciplines. Et comme médicament pour soulager cet omio, nous ka mentionner médicament antidouleur, anti-inflammatoire, hypnotique qui bon pour sommeil et antidépresseur yo. Nous ka citer l'autre approche alternative tant kou kinésithérapie, physiothérapie, psychothérapie pour aider gérer stress yo et électrothérapie. Sans ne pas oublier mentionner, pratiquer activité physique et exercice de relaxation tant que yoga. C'était toute sa note potée pour vous. Et si vous aimez la vidéo, vous pouvez juste abonner, quitter un like et questions et suggestions par dans les commentaires. À la prochaine pour une autre vidéo.